Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous reprendre avec le document PDF qui n'était pas reconnu par l'éditeur car il y avait une feuille à l'intérieur qui n'était pas du même format que les autres. Alors, j'ai retiré cette feuille. Maintenant, je suis prêt à refaire l'exercice d'aller chez Lulu et proposer mon texte. Alors, on va aller sur Nouveau Data, Libre, Babel Cube, Danois, le Husky et la version papier qu'il me faut pour la soumission à Lulu. Quarante-six pages. Il a été accepté. Format de poche qui est lui de 4,25 par 6,875. 4 par 7. Et en millimètre, c'est 108 par 175. Il a retenu que j'avais 46 pages pair, ce qui est très bon. Alors, je vais continuer la conception du prochain livre. Coût d'impression 5 et 1 pour avoir une impression pure et simple. Et puis moi, je vais aller me chercher la couverture qu'il me faut maintenant. Bon, ça c'était ce que j'avais été chercher en premier, mais c'est pas ça que je veux. Je vais enlever ce qu'il y a ici. Je vais aller chercher mes couvertures à moi que j'ai fait avec Adobe Express. Alors ici, j'ai un JPEG. Ici, j'ai un PNG. Alors, je vais retenir celui-là. Et je vais pouvoir avoir ma page de couverture dans quelques instants. Le fond, je le fais blanc. Alors, voyons un aperçu. Voilà ce que ça donne. Pas pire, pas pire. Allons chercher l'image de l'ando maintenant. En PNG. Parce qu'à ce moment-là, l'image est excellente. Répond très bien à l'impression. Voilà, c'est fait. OK. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas pire. On va dire qu'on accepte la couverture et l'endo comme ça, juste pour l'exemple du vidéo. Et je vais générer ma couverture tout de suite. Ici, il me dit que j'ai pas encore eu un ISBN. Alors, je vais quand même générer la couverture. Parce que je peux revenir plus tard et inscrire l'ISBN en question dans la page copyright du projet.
Alors, je vais me reprendre. Je vais aller chercher dans une prochaine vidéo le numéro du ISBN. Je vais le mettre à l'intérieur du livre. Je vais le retélécharger. Et à ce moment-là, je vais pouvoir générer ma couverture. Alors, c'est à la revoyure.